Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule vidéo qui fait directement suite à la première capsule. Alors, on est toujours dans le système urinaire au niveau de la physiologie. Souvenez-vous, la dernière capsule, on a discuté de plusieurs choses, mais entre autres, on a parlé de la membrane de filtration, sa composition, sa fonction et tout ça. Cette capsule va suivre directement cette notion de membrane de filtration. En fait, on va étudier un peu plus en détail des forces qui vont orienter l'expulsion du liquide niveau du glomérule vers les différentes sections du tubule rénal dans le néphron. Ici, on va parler de filtration. Donc, c'est vraiment... Alors, je vous disais, dernière capsule, il y a des forces, il y a des mécanismes qui vont orienter le niveau de production d'urine. Donc, on augmente la filtration du sang, ou au contraire, on va la diminuer. Et c'est ces forces-là qu'on va étudier aujourd'hui, et un peu aussi les mécanismes de régulation au niveau de l'ajustement de la filtration. Donc, la première des choses qu'on vous présente ici, c'est les deux principales forces qui vont favoriser ou non la filtration. C'est des concepts qui ont déjà été étudiés dans le système cardiovasculaire. Donc, dans ce cas-ci, on parle de pression hydrostatique avec le pH hein, comme abréviation. Donc, c'est une force qui est associée à un volume de liquide. Ça peut être un volume d'eau, de plasma sanguin, peu importe. Donc, c'est vraiment une notion de volume qu'on avait déjà vu. Puis, je passe un peu plus vite. Là, c'est plus un rappel, dans le fond, de ce que vous savez déjà. Et la deuxième force, c'est une pression osmotique. Donc, ici, la pression osmotique est pratiquement synonyme de la notion de concentration. Donc, en fait, exemple, le plasma sanguin ou l'urine peut... C'est un liquide, bien sûr, mais il y a une différente concentration. Donc, exemple, si le sang est plus concentré en sel, en glucose, peu importe, ça va augmenter la pression osmotique. Donc, même si ce n'est pas tout à fait exact au point de vue scientifique, on peut pratiquement dire que la pression osmotique est synonyme de concentration. Et en fait, c'est un peu comme ça que je veux que vous le réfléchissiez. Donc, exemple, à l'examen, dans un exercice, peu importe, si on vous dit, dans la question, l'énoncé, la pression osmotique augmente ou diminue, bien, dans votre tête, c'est que la concentration est plus forte ou plus faible. Et évidemment, c'est particulièrement important parce que si j'augmente la concentration, ce que ça fait, ça permet un déplacement de liquide. Donc, exemple, l'eau va toujours se déplacer vers le plus concentré. C'est la loi d'osmose qu'on a étudiée plusieurs fois et vous l'avez même étudiée en bio 1 à la session dernière. Donc, c'est le concept. Donc ici, on va favoriser un déplacement de liquide, l'eau notamment, vers l'endroit où c'est le plus concentré. Donc, une augmentation de la pression osmotique favorise un appel d'eau par osmose. Ici, c'est l'inverse. Ici, ben, c'est pas nécessairement l'inverse, j'aurais pas dû dire ça. Mais ici, c'est un autre concept. C'est le volume. Donc, le plus fort l'emporte. Fait que si je compare les deux volumes ici, les deux pressions hydrostatiques, ben, la plus forte va l'emporter sur le plus faible. Donc, en d'autres mots, si les deux pressions hydrostatiques sont égales, il n'y a pas de déplacement de liquide. Évidemment, au niveau du néphron, on veut un déplacement de liquide. On veut filtrer. Donc, tant que vos reins sont capables de filtrer, ça veut dire que l'ensemble de ces forces-là vont favoriser la filtration. Ça veut dire qu'on doit avoir une pression plus forte. En fait, le total de ces pressions-là, je vais vous montrer comment les calculer dans 2 secondes, mais le total de ces pressions-là devront favoriser l'expulsion du liquide du glomérule vers l'espace capsulaire. OK? Donc, évidemment, vous autres, si vous vous souvenez un petit peu, quand on a fait le cardio, on a étudié ces mêmes forces-là, mais dans un contexte un peu différent. On parlait d'un capillaire systémique, hein, un vaisseau sanguin, et on le comparait, exemple, avec le liquide interstitiel. Donc, ici, j'ai des cellules qui composent un organe quelconque, et LIN pour liquide interstitiel. Et là, on vous disait, ben, exemple, je compare la pression hydrostatique sanguine versus la pression hydrostatique du liquide interstitiel, puis le plus fort l'emporte. Donc, si on augmente la pression hydrostatique dans le sang, par exemple, si la pression artérielle augmente, bien évidemment, ça va favoriser une expulsion du liquide ici. C'est la même logique aujourd'hui, sauf qu'on a remplacé le S et le liquide interstitiel par G puis C, tout simplement parce qu'on est dans un endroit différent de votre corps. On est à l'intérieur du néphron, donc glomérule, G, c'est à l'intérieur du capillaire qui possède la membrane de filtration avec les pores et tout. Donc, pression hydrostatique glomérulaire réfère la quantité de liquide qui sera à l'intérieur du glomérule. Et évidemment, ici, la pression hydrostatique capsulaire, ben, c'est pour dans l'espace capsulaire.
Voilà. Et dernière petite chose, avant que je résume tout ça au tableau, je vais faire un petit tableau pour réviser tout ça. On avait vu deux termes. Donc, dans la dernière capsule, souvenez-vous, le terme « filtration » veut simplement dire qu'une expulsion de liquide du glomérule ou du vaisseau sanguin vers l'extérieur. Et au contraire, on avait vu ça dans le contexte des capillaires péritubulaires versus les tubules rénaux. Donc, si au contraire, il y a un mouvement de l'extérieur vers l'exemple ici, le vaisseau sanguin, mais là, on va parler de réabsorption. C'est deux termes différents qui dénotent un mouvement en sens inverse si on les compare tous les deux ensemble. Donc maintenant, si vous me permettez, je vais prendre un tableau, puis on va regarder l'ensemble de ces concepts-là, parce qu'en fait, le but ultime, c'est d'être capable de calculer l'ensemble de ces forces-là. Donc, si ce que je vais dessiner, en fait, c'est la partie sphérique du néphron, donc corpuscule rénal, et juste pour qu'on se situe, là, ici, dans le fond, ça serait l'équivalent du TCP, donc le contourné, le tubule contourné proximal avec l'anse et tout le reste du néphron. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici au niveau de la capsule. Donc, en fait, ici, j'ai une artériole afférente qui vient se connecter, comme on a déjà vu. Donc, c'est toujours la même anatomie. Ce qui va m'intéresser particulièrement, ce que je vais dessiner ici de façon très symbolique, c'est en fait le glomérule. Okay? Donc, je suis à l'intérieur ici du corpuscule rénal. Et ici, le glomérule, je vous disais, oui, il y a une membrane de filtration avec des pores et tout, mais essentiellement, c'est un vaisseau sanguin, c'est un capillaire. Donc, l'artériole afférente se transforme en capillaire qu'on va appeler le glomérule. Ce qui sera filtré sortira par la membrane de filtration du glomérule pour se ramasser dans l'espace ici que j'appelle la chambre ou l'espace capsulaire. C'est des synonymes. Donc, si c'est filtré, les molécules qui sont ici vont sortir. Donc, on va parler de filtration. C'est ce qu'on veut faire. Si vous avez des reins fonctionnels, ben, c'est qu'on arrive à faire expulser le liquide du glomérule vers la chambre capsulaire et ce filtre pourra poursuivre son chemin vers le proximal. Par contre, si les forces sont inversées, et pour différents problèmes pathologiques qu'on pourrait étudier un peu plus tard, les forces sont insuffisantes pour favoriser la filtration, bien là, on va réabsorber ce qu'on ne veut pas. La réabsorption, normalement, se fait au niveau des tubules. On ne veut pas réabsorber au niveau du glomérule. Ça serait très dangereux, évidemment, parce que là, non seulement vous ne produisez plus d'urine parce que vous ne filtrez pas, mais ce qui devrait normalement se ramasser dans l'espace capsulaire, va retourner dans la circulation sanguine et, en fait, vos reins ne fonctionnent plus du tout. Donc, évidemment, c'est à proscrire. OK. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, je vais me faire un petit peu de place. La question... En fait, il y a deux questions qu'il faut garder en tête. Je veux que vous soyez capable, éventuellement, de calculer la pression nette de filtration. C'est quoi une pression nette de filtration? La prochaine diapositive, on va vous montrer une petite formule. Vous l'avez déjà vu dans le concept de cardio, mais l'idée, c'est... La complexité de la question, c'est de savoir, mais comment on fait, nous, pour savoir si ça va filtrer ou non? Parce qu'il y a plusieurs forces qui s'opposent. Il y a des forces qui vont favoriser la filtration, d'autres la réabsorption. En fait, on veut un total de la pression, on veut la pression nette de filtration, c'est-à-dire que lorsqu'on compte toutes les forces et qu'on les analyse dans leur ensemble, est-ce que la pression totale est assez forte pour favoriser la filtration de la production d'urine? Donc, on va étudier ça en deuxième lieu. Le premier lieu, c'est de revenir avec les concepts de pression hydrostatique et de osmotique. Donc, pour être capable de comprendre un petit peu si j'augmente une ou l'autre des forces, donc si j'en fais varier une seule, ça va être quoi l'impact sur la filtration. Donc, je vais changer mon crayon de couleur, juste pour que ça soit un peu plus clair. Et disons que je parle de force ici, qu'on parle de pression, exemple, hydrostatique. Okay? Donc, si je vous dis la pression hydrostatique glomérulaire, donc pH, je mets un G pour dire qu'on est dans le glomérule, je suis à l'intérieur du capillaire ici. Je vais toujours la comparer avec la pression hydrostatique ici, en face.
on met un C pour capsulaire. Donc, ces deux pressions hydrostatiques-là sont comparables, et je vous disais tantôt que la plus forte l'emporte sur la plus faible. Donc, si les deux pressions hydrostatiques sont égales, il ne se passe rien. Évidemment, idéalement, c'est d'avoir une pression hydrostatique glomérulaire plus forte que la capsulaire pour pouvoir favoriser la filtration. Hein? Ce qu'on veut, c'est une sortie de liquide du glomérule vers l'espace capsulaire. Donc, dans ce cas-ci, toutes les conditions que vous allez étudier qui vous amènent à une augmentation de la pression hydrostatique glomérulaire, exemple, si la pression artérielle chez le patient augmente, il y a plus de sang qui va arriver à l'intérieur du néphron, évidemment, plus de sang qui arrive au rein, plus de sang qui arrive au néphron, plus de sang dans la glomérule, la pression est plus forte, on augmente la pression hydrostatique. Vous buvez un litre d'eau, votre volume sanguin augmente, il y a plus de liquide dans le système cardiovasculaire, donc plus de liquide qui arrive ici, pression hydrostatique augmente, et si elle augmente, alors que celle-ci ne bouge pas, bien évidemment, on favorise la filtration, donc une expulsion de liquide vers l'extérieur. C'est ce qu'on veut en fait. Si pour X raison, la pression hydrostatique capsulaire deviendrait plus forte, alors là, ça sera le mouvement inverse. Et je vous avais déjà donné un truc en classe pour le cardio, c'est le même truc. Donnez-vous des chiffres, pour ceux que c'est difficile, des chiffres bidons, là, c'est pas grave, c'est n'importe quoi, c'est juste pour comparer. Si je vous dis qu'on a une pression de 10 mm de mercure au niveau de l'hydrostatique glomérulaire, puis que j'en ai 10 ici, il n'y a aucun mouvement. Okay, je mets mm de mercure parce que c'est l'unité de force. Donc, aucun mouvement. Si je vous dis qu'on augmente la pression hydrostatique glomérulaire, donnez-vous un chiffre plus gros, donc exemple 15, c'est le plus fort qui l'emporte. Donc, quand on compare deux volumes, deux pressions, en fait, j'ai dit deux volumes, c'est deux pressions qu'on compare qui sont influencées par deux volumes de liquide. Donc, si les deux pressions sont ici différentes, le 15 est plus fort que le 10, le plus gros l'emporte. Donc, on se déplace ici vers la capsule. Si pour X raison, je vous dis, au contraire, on diminue la pression hydrostatique glomérulaire. Donc, exemple, pour quelqu'un qui est déshydraté, c'est une situation qui pourrait nous amener, nous conduire à cette situation. Donc, j'ai 10 ici, j'ai 10 là. Là, je vous dis qu'elle diminue la pression hydrostatique chez la personne déshydratée. Donc, dans ce cas-là, l'autre chiffre, ben, au lieu de 10, je mets un chiffre, juste pour donner un exemple, un chiffre plus faible, mettons 5 mm de mercure. Le plus fort l'emporte. Dans ce cas-ci, on va aller en mouvement inverse, en réabsorption. Et évidemment, les reins arrêtent de filtrer. L'urée, les déchets qu'on a déjà discutés resteraient dans le sang. Ça serait extrêmement dangereux. C'est un cas d'hémodialyse. Donc, évidemment, les reins, c'est de l'insuffisance rénale. Les reins ne fonctionneraient pas dans ce contexte-là. Donc, évidemment, chez une personne en santé, ce n'est pas ce qu'on veut observer. Donc, si on étudie la deuxième force qui peut orienter le déplacement de liquide, favoriser la filtration, c'est la pression osmotique. Alors, je vous disais précédemment que la pression osmotique était associée à la concentration. Donc, il y a deux types de pression osmotique. On a la pression osmotique au niveau du glomérule. Donc, on va mettre une POG. Et on va la comparer à la pression osmotique à l'extérieur du glomérule dans l'espace capsulaire. Donc, pression osmotique capsulaire. Si vous vous rappelez de cardiovasculaire, il y avait ces quatre forces-là qui orientaient le déplacement du sang vers le liquide interstitiel, du plasma sanguin, pardon, vers le liquide interstitiel ou vice-versa. Au niveau de la filtration, en termes de théorie, c'est la même chose, mais quand vous allez étudier votre livre, vous allez vous rendre compte que cette pression osmotique capsulaire n'apparaît pas dans la formule que je vais vous présenter tantôt. Pourquoi? Parce que généralement, c'est une force qui est négligeable, donc on n'en tient pas compte dans le calcul de la pression nette de filtration. Ceci étant dit, dans certains débalancements, dans certaines pathologies, elle peut devenir importante. Donc, votre manuel repose sur le fait que la personne soit en santé. Donc, pour des fins d'explication, je vais la considérer, mais ne soyez pas surpris si elle n'apparaît pas tantôt dans la formule du calcul. Donc, la logique, c'est la même. La pression osmotique glomérulaire, ben, si je vous dis, pour X raison, on augmente la pression osmotique glomérulaire, exemple, un patient qui est en hyperglycémie, un diabète incontrôlé, quelqu'un qui a mangé beaucoup de sel ou peu importe, la concentration sanguine, elle est plus élevée par rapport à la concentration dans le liquide au niveau de l'espace capsulaire, donc le filtre. Souvenez-vous que la pression osmotique, c'est la concentration, bien sûr, mais l'idée, c'était de se rappeler que par osmose,
l'eau se déplace toujours vers le plus concentré. Donc, la même logique, si je vous disais que la personne est en hyperglycémie, forte concentration de sel, peu importe, si la pression osmotique glomérulaire elle est plus forte, donc on se donne des chiffres. Exemple ici, si la concentration est de 10, ici la concentration de 10, il ne se passe rien. Mais si on augmente la pression osmotique glomérulaire, donc ça devient plus concentré, exemple, au lieu d'avoir 10 millimoles par litre, ici, j'étais à 20 millimoles par litre. Donc, cette concentration plus élevée fait que par osmose, l'eau va se déplacer vers le plus gros, le plus élevé. Donc, l'eau dans l'espace capsulaire va tout simplement se déplacer vers la glomérule. À l'inverse, si je vous dis que la pression osmotique glomérulaire diminue, on se donne des chiffres pour nous aider à comprendre. Au lieu d'une concentration de 10, je tombe à 5. Puis évidemment, c'est des chiffres qui n'ont aucun bon sens. Là, c'est simplement pour s'aider. Donc, ben, là, on fait le mouvement inverse. Donc, si je diminue la concentration ici, et par opposition, la pression osmotique capsulaire est plus forte, ça favorise, donc par osmose, le déplacement de liquide vers la chambre capsulaire. Donc, ce qu'on veut, en fait. Donc, plus que la concentration va être élevée ici, ou en d'autres mots, plus qu'elle va être faible ici, ça favorise la filtration. Le problème, c'est que comment on fait pour savoir si ça filtre ou pas si on a différentes forces, hein, l'équivalent de 3-4 forces différentes qui vont dans le même sens ou qui s'opposent. Donc, c'est là que la formule de pression nette, le calcul, pardon, de pression nette de filtration devient important. Ce qu'on fait, quand on vous parle de PNF, vous verrez sur la prochaine diapositive, c'est P pour pression nette de filtration. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'on fait une espèce de calcul, un peu comme si on calculait notre budget à la maison, on regarde nos dépenses versus nos rentrées d'argent, et au total, est-ce qu'on est en dette ou est-ce qu'on a fait de l'argent? Mais c'est un peu le concept. C'est qu'on va faire le budget des quatre forces et on regarde la force totale. Je vous avais déjà parlé d'un chiffre important. J'aime pas beaucoup faire apprendre les chiffres par cœur, mais celui-ci est important. La valeur de la pression nette de filtration devrait être de 10 mm de mercure. Donc, à chaque fois que vous allez avoir ce chiffre-là, et comme je disais, c'est par cœur, ça veut dire que la pression nette de filtration, elle est suffisante pour permettre l'expulsion de liquide, la filtration, donc les reins fonctionnent. Dans ce cas-ci, ça peut être 10, 11, 12, peu importe, c'est 10 et plus. Donc, quand on a fait un calcul et que notre pression nette de filtration est plus élevée que 10, ça va bien. Si on est à moins 9, je voulais vous dire, si on était inférieur à 10, comme 9, 8, 0, moins 3, peu importe, aussitôt qu'on est inférieur à 9,9, c'est inférieur à 10, donc on ne filtre plus. La force nette, la pression nette de filtration, est insuffisante pour favoriser la production d'urine. Donc, la filtration est tout simplement arrêtée. Donc, tout ça ne se fera pas, ça me prend 10 au minimum. Alors, justement, la fameuse formule pour estimer la pression nette de filtration. Donc, PNF pour pression nette de filtration, on calcule dans la première parenthèse les pressions qui vont favoriser la filtration versus les forces qui vont s'opposer à la filtration. Donc, dans ce cas-ci, c'est la pression hydrostatique glomérulaire. Donc, celle-ci, puisqu'elle sera élevée, plus qu'il sera facile de faire la filtration. Mais les deux forces qui vont s'opposer, bien évidemment, la pression osmotique dans le glomérule, donc au niveau du sang, donc si le sang dans le glomérule est très concentré, par osmose, l'eau va revenir vers le glomérule, donc évidemment, ça empêche la filtration. Et si une accumulation trop importante dans l'espace capsulaire, donc pression hydrostatique capsulaire augmente, effectivement, ça fait une force qui va favoriser le retour du liquide vers le glomérule, donc une réabsorption, ce qu'on ne veut pas. Hein. C'est la situation où je vous disais tantôt qu'on pourrait plus, les reins ne filtreraient plus, donc on arrête la production d'urine, ce qui n'est pas souhaitable. Évidemment, on vous donne dans un énoncé un problème, la valeur de ces différentes composantes-là. Il faut simplement les mettre à la bonne place dans la formule. Donc, force de filtration moins les forces qui s'opposent. On commence toujours par la parenthèse. On va additionner les deux forces ici. Et le total, ben, je compare la pression hydrostatique glomérulaire. Je fais la différence. Donc, je vais soustraire le total de ces deux-là. Et ça me doit me donner au moins 10 pour filtrer. Oh, pardon. Donc, ici, j'ai fait une petite erreur d'écriture.
Donc, 10 mm de mercure pour pouvoir filtrer. Comme je l'ai dit tantôt, il manque une force ici, donc la pression hydrostatique glomérulaire, mais la pression osmotique capsulaire, on ne la considère pas. En théorie, si la pression osmotique capsulaire était très élevée, ça favoriserait l'expulsion du liquide, du glomérule vers la chambre capsulaire, mais elle est négligeable. Ceci étant dit, il y a peut-être des situations, vous allez voir éventuellement, où la capsule pourrait devenir extrêmement concentrée, donc dans ce cas-ci, on l'ajouterait dans la parenthèse, un petit peu comme on avait vu avec le système cardiovasculaire. Donc, la prochaine diapo de votre manuel, au niveau de la figure 24-14 de la page 11-51, c'est exactement la même chose. On vous montre ici une situation réelle. Donc, c'est des chiffres assez près de la réalité chez une personne en santé. Et comme je vous disais tantôt, on veut donc un 10 mm de mercure pour la pression nette de filtration. Donc, ça veut dire, après avoir effectué le calcul, si j'ai au moins 10 et plus, c'est clair qu'on va pouvoir filtrer et produire de l'urine. On vous donne trois valeurs ici. Ça peut varier selon les problèmes qu'on vous demande dans les exercices ou examens, mais il faut juste être capable de débrancher au bon endroit dans la formule pour arriver à faire le calcul. Donc, si on refait le calcul ensemble, c'est simple. La formule, évidemment, vous devez la connaître par cœur, mais une fois que vous la connaissez, c'est assez simple. Donc, je vais voir dans l'énoncé du problème, on vous dit que la pression hydrostatique dans le glomérule, c'est donc une force qui favorise la filtration, est de 55. Donc, je viens mettre mon 55 ici, moins... entre parenthèses, les forces qui s'opposent à la filtration. Donc, ici, ça serait la pression osmotique dans le glomérule. Donc, si elle augmente, exemple, comme on voyait tantôt, évidemment, ça va s'opposer. Donc, dans ce cas-ci, on a 30 mm de mercure de force. Et l'autre pression, l'autre force, la pression hydrostatique capsulaire, qui est de 15. Je fais le calcul, 30 plus 15, évidemment, je commence toujours par la parenthèse, hein, il y a une priorité de parenthèse, donc ça me fait 45. 55 moins 45, ça égale 10. Dans ce cas-ci, je vous demande, est-ce que les reins filtrent? La réponse est oui. Si votre calcul vous donne une réponse inférieure à 10, bien évidemment, les reins sont incapables de filtrer dans ce cas-ci.